Salut l'équipe, c'est Patience 50. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, comme l'année dernière, on va ouvrir le calendrier de l'Avent Yamaha. Ça devient limite une tradition sur cette chaîne YouTube d'ouvrir les calendriers de l'Avent Yamaha. Bon, enfin, c'est que le deuxième, hein, mais ça se met vite en place une tradition. Hein. Cette année, ils ont mis les petits plats dans les grands. L'année dernière, il y avait une Piwi à gagner. Cette année, il y en a 24, une par case. Du coup, bah, je me dis que bah, j'ai peut-être un peu plus de chances de gagner. Mais comme j'avais rien gagné du tout l'année dernière, à part des chocolats et des caries, j'espère que ça se passera mieux cette année, quoi. Niveau design, ils sont partis sur un truc assez festif. Bleu, rouge, blanc. Des couleurs classiques chez Yamaha, des couleurs classiques de Noël. La petite Piwi qui est là en gros. Derrière, bah, ils t'expliquent un peu le règlement. Ils te montrent la pastille gagnante. Que j'espère en trouver dans cette vidéo, bien sûr, hein, mais il faut pas trop rêver non plus, j'en pense. Et puis bah voilà. Du coup, on va tout de suite commencer par ouvrir la case numéro 1 qui est juste ici. Donc on a un petit chocolat marqué plein gaz. Pour l'instant, j'ai grave l'impression qu'il a un défaut le calendrier. Regardez, genre là, dans la case numéro 1, je vois déjà plein d'autres chocolats. C'est grave bizarre. On va bien voir, je vais ouvrir la case numéro 2. Ça se trouve, elle sera vide parce que là, il y a d'autres chocolats. Non, on a encore un chocolat. Pour ceux qui se rappellent, l'année dernière, c'était des modèles de moto mythiques de chez Yamaha qui avaient... Et je trouvais ça plutôt pas mal. Là, c'est plus des petits designs. C'est aussi sympa, mais les petits chocolats avec les motos, je trouvais que c'était vraiment top. Et puis en plus, si on les mangeait pas, si tu invitais des potes à boire un café, tu leur sors les petits chocolats avec les motos dessus. Si c'est des motards, mon gars, ils kiffent, c'est sûr. Donc, la case numéro 4 maintenant. La numéro 5 qui est où? Elle est là. Oula. Ouais, tu vois, il y a bien un défaut. Parce que celui-là, bah, le chocolat numéro 5, là, il est en train de se balader derrière. Je peux pas le récupérer. Donc, bah, il est un peu moins bien conçu que celui de l'année dernière, le calendrier, malheureusement. La 6, j'ai le chocolat. La 7, pareil. D'ailleurs, il y a beaucoup de chocolat qui fête les 40 ans de Yamaha, contrairement à l'année dernière, comme je t'expliquais, où il y avait les logos des motos. La 8. Le 9. Tu vois, le 9, il n'y a rien. C'est que le chocolat, il doit s'être barré derrière. C'est grave dommage, en vrai. Parce que t'offres ça à un gamin, tu vois, il est grave déçu à coup sûr. Le 10, il y en a un. Le 11, il y en a un aussi. Le 12. Le 12, il n'y en a pas non plus. Le 13. Le 13, il y en a un. Et je peux même essayer de récupérer les autres. Tu vois, genre, on voit qu'ils se baladent. Enfin. C'est grave dommage. 14. Il n'y en a pas non plus. En vrai, je suis quand même assez déçu parce que c'est un calendrier de l'Avent qui coûte 17,90€, tu vois, c'est pas donné. Sachant que bah, la plupart des gens, à part 24 personnes, auront que des chocolats. Tu vois, c'est quand même pas donné. Et en plus, il y a certains chocolats, tu vois, comme là,
Eh ben, c'est super galère de les attraper juste parce que le truc il a été mal conçu quoi. Ça devrait pas se passer comme ça à un prix aussi élevé. Je veux dire, si c'est pareil les calendriers de l'avant que les motos, enfin on sait que c'est quand même assez solide Yamaha, mais tu vois là pareil, 19 il n'y a rien. 20, il y a un chocolat, 21 aussi, 22 aussi, puis ben après les deux autres je sais pas si je les aurai parce qu'il y en a pas mal qui se promènent, 23 lui là. Et 24, il n'y a rien, super, le dernier jour quoi. Grave déçu. Bon, je vais couper le côté et puis comme ça bah je pourrais voir combien il reste en dessous. Bon bah c'est bon, je crois qu'il n'y en a plus. Et tu vois, il y en avait quand même 6. Ça veut dire que genre il y a 6 jours où si je l'aurais ouvert normalement, j'aurais pas trouvé mon chocolat quoi. Grosse déception, sérieux. Bien sûr, comme chaque année, je vais quand même goûter le chocolat. Parce que à ce prix-là, ça doit être du chocolat d'exception. Voilà, cette année un peu déçu par le packaging en général du calendrier, les chocolats qui tombent dans le fond et qu'on ne peut pas récupérer le jour même, on est obligé de couper sur le côté. C'est grave dommage. Par contre, niveau du goût, le chocolat, il est comme l'année dernière, il est top. Et puis, bah, j'ai toujours pas gagné de Piwi. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous au final parce qu'il en reste encore 24 à gagner, quoi. Donc voilà l'équipe, aujourd'hui c'était une petite vidéo détente où on ouvrait ensemble le calendrier de l'avant Yamaha. Bon, il faut savoir que bien sûr j'ai pas de partenariat avec Yamaha. Et que bah heureusement sinon j'aurais dit que c'était pas ouf. Parce que bon, tu sais, les chocolats qui tombent derrière et tout, c'était quand même assez décevant. Après les chocolats sont bons mais c'est quand même assez chiant tu vois, sur ce genre de calendrier là. Je pense que tu sais, il y a des calendriers genre Leclerc et tout. Les chocolats, ils tiennent très bien. Il faut que ça soit une grande marque qui fasse un calendrier de l'avant comme ça où ton chocolat, il est perdu dans le truc. C'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Sinon, vous, si vous voulez vous l'acheter, c'est 17,90€ dans toutes les concessions Yam de France. Et vous pouvez gagner une Piwi 50 d'une valeur de 1999€. Je t'invite également à aller me suivre sur Instagram parce que j'ai acheté un deuxième calendrier que j'ouvrirai tous les jours du mois de décembre, mais enfin du 1 au 24 en story tous les jours. Et comme ça, bah, je vous remontrerai peut-être plus chaque chocolat et bah, je verrai si j'ai gagné sur mon deuxième calendrier. Mais bon, l'espoir fait vivre. Hein. Donc voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire si vous l'auriez acheté à 17,90€ le calendrier de l'avant. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Mettre la petite cloche, une notification tous les mardis à 14h. Dès qu'il y a une nouvelle vidéo, c'était Passion 50. Salut !